Je n'avais pas pensé à Nietzsche ni à Goethe. J'avais entendu l'un des deux noms à l'école, je connaissais l'autre très vaguement, mais à l'époque ces deux noms ne me disaient pas grand-chose. Je ne pensais qu'à mon père. Même si ce n'était que pour quelques jours, j'étais moi aussi dans un camp, comme celui que mon père avait fait construire pour des prisonniers de guerre, des détenus qui devaient travailler dans ces usines Vulcano. Voilà que maintenant je me trouvais dans un ancien camp de concentration. Ici, on avait enfermé des gens que l'on n'avait pas traités aussi bien que nous. J'arpentais le camp de jeunes de Sandbostel, passais devant les hommes assis sur des bancs qui traînaient leur ennui en fumant, en jouant au skat et en buvant de la bière. J'arpentais le camp et examinais un bâtiment après l'autre, avec d'autres yeux, avec un autre regard. C'était des détenus que je voyais devant moi, qui se mettaient en rang pour l'appel, et je voyais mon père marcher dans le camp et les contrôler. Il portait un costume élégant avec des épaulettes, une chemise blanche avec un col droit, un gilet blanc et un nœud papillon blanc exactement comme sur la photo que m'avait montré Gunther, celle que l'oncle Richard lui avait envoyée. Ses mains étaient gainées de gants en cuir noir et il souriait comme sur la photo. Je me vis moi-même dans le costume de mon père, debout devant les détenus, avec un gilet blanc, un nœud papillon blanc et des gants en cuir. La porte vers la liberté, la porte de la vie, la porte de la mort. J'étais à la fois devant et derrière cette porte, détenu et SS à la fois. J'étais celui qui m'avait conçu, celui qui était mon père. Ici, dans ce camp de concentration, j'étais dans ses mains, dans ses raies. J'étais sa victime, j'étais lui. Je reste le fils de mon père pour l'éternité.